bienvenue sur la chaîne GFR 900 Dans de Review. Et bien, on se retrouve pour une nouvelle revue, donc la troisième de l'année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone assez sympathique. Donc un petit drone qui va s'adresser à des débutants, des enfants même. Voilà, un petit drone en forme de moto. Donc ce petit drone, c'est le XXD 165 The Flying Motorcycle. Comme on dit en anglais. Voilà, donc la moto volante, donc c'est assez sympathique, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais en attendant, je voudrais vous parler du Dragonfly que je vous ai présenté lors de la dernière revue. Donc ce Dragonfly, je vous disais de ne pas l'acheter, hein. Alors je modère un petit peu mes propos, je veux dire, ne l'achetez pas maintenant. Voilà. Donc il est possible que le drone soit victime d'erreurs de... voilà, les Chinois font des drones, ils les lancent sur le marché et puis ils corrigent après, donc ce qui est très aberrant, mais c'est comme ça. Or il est possible que ce petit drone évolue et que les prochaines éditions de ce drone soit corrigé et puis il volera peut-être mieux. Donc en attendant, je vous redis, ne l'achetez pas maintenant, attendez un petit peu, on verra d'autres revues. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont faire des revues et qui vont voir la mienne et qui vont dire, mais il est complètement con celui-là. Mais bon, c'est parce que le drone qu'ils auront eu aura évolué, alors que moi j'ai eu un des premiers drones de cette catégorie. Donc voilà, donc pour le moment, ne l'achetez pas, attendez un petit peu en espérant qu'il évolue. Et si le drone évolue, je n'hésiterai pas à le reprendre, à le racheter et puis refaire une nouvelle revue dessus. Mais pour le moment, voilà, bref, ça c'est dit. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parle du XXD 165. Alors, un petit drone moto. Donc, sachez que ce petit drone, je l'ai acheté sur Deal Extreme. Donc, il est Deal Extreme. Voilà, j'ai trouvé ça là-dessus. J'avais vu ça sur AliExpress. J'avais pas envie d'acheter sur AliExpress parce que des fois, il arrive n'importe quoi d'AliExpress. Des fois, c'est pas très bon. Il y a plein de choses. Donc, bref. Je vous mets le lien de la boutique Deal Extreme qui vend pas mal de choses. C'est comme Banggood, Gearbest, ces sites-là. Il y a plein de genres maintenant qui sont sortis. Banggood en fait un sans le petit pilote. Il y a TomTop aussi qui en font. Il y a plein de sites. Je vais vous mettre plein de liens parce qu'il y en a plein de sortes de ces petits drones moto. Et puis c'est assez sympathique. Donc ces petits drones moto, je suis en train d'enlever les poils de mon chat dessus là. je l'ai fait un petit peu aller à l'intérieur et puis voilà quoi, il y avait des poils de chat. ce petit drone moto, en fait, ça coûte entre 13 et 15 euros, 20 euros peut-être maximum. Oula, j'ai failli dire un gros mot. c'est pas très cher, c'est assez sympathique. Bon, après, vous allez me dire comment ça peut faire moto alors que il n'y a pas de roue qui tourne ou quoi que ce soit. En fait, c'est tout simple, hein. Vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez les quatre moteurs qui sont inclinés. Ça donne une certaine puissance. Et donc, quand vous êtes en mode moto, vous avez deux petits stabilisateurs ici qui touchent le sol, tout simplement. Et la puissance de l'air propulsé va le faire avancer. Alors, sachez que si vous êtes sur un sol rugueux, ça ne va pas le faire du tout. Il faut vraiment être à l'intérieur sur un sol lisse. Donc, j'ai fait des essais chez moi, ça glisse beaucoup, c'est un peu pénible. Ça marche bien, mais il faudrait être par exemple dans un... comme Ken Hutchinson dans son gymnase. Voilà, là ça serait l'idéal, vous pourriez le faire aller assez loin, tout, c'est sympa. Et par contre, en mode drone, dès que vous le mettez en mode drone, il fonctionne très très bien. Il y a un maintien d'altitude, ces quatre petits moteurs brushed, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais ça fonctionne très très bien, ça vole bien, hein, on peut se dire avec la forme qu'il a, tout, ça pourrait être déstabilisé, et non, en fait, il vole très très bien, c'est assez sympathique, il est assez rapide, il fait des flips, des rolls, et franchement, ça fonctionne très très bien. C'est super sympathique, donc les enfants et les débutants vont être ravis avec ça. Et les grands ou petits benets comme moi, matraqués de la tête avec les drones, ils vont être ravis avec ça. Donc moi, c'est un petit truc, je vous le conseille, ça coûte pas cher. Faites-vous plaisir en indoor, c'est nickel, vous pouvez voler à l'intérieur, hein, si vous avez un peu de dextérité.
Voilà, puis des pièces assez grandes, ça va très très bien le faire. Voilà, donc le petit drone il arrive dans une petite boîte complètement défoncée, donc voilà, donc ça c'est pas dû à Deal Extreme qui me l'a vendu, hein. Ça c'est dû au transporteur, voilà, ça part avec plein d'autres colis, les gens marchent presque dessus, et puis ça vient, ça arrive tout défoncé, alors les gens ils prennent ça, ils balancent ça comme ça, voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. Bref, donc il arrive dans sa petite boîte, il arrive avec une petite radio, bon une petite radio, là, un petit peu, voilà, c'est un jouet, hein, on va dire, ça fonctionne quand même, mais c'est un petit peu rugueux quand même, bon, et, voilà, après vous pouvez tomber sur un bon petit truc comme sur un truc un peu moyen. Bon moi ça marche quand même. Il arrive donc avec des petites hélices supplémentaires, une petite griffe. Bon, je vais vous la montrer quand même au lieu de faire mon truc dans mon coin. Là. Une petite griffe pour enlever les hélices. Hein, donc ça c'est sympathique. Elle est en plastique mais ça fonctionne bien. Quatre petites hélices supplémentaires. Et puis un petit câble de recharge. Donc c'est un petit câble de recharge que vous allez mettre en port USB sur votre chargeur de téléphone. Vous allez le brancher sur le dos, c'est le dos, hein, du pilote. J'aurais aimé que... Non, bon bref. Voilà, bon il y en a, ils n'ont pas de pilote, c'est un peu dommage. Ça me fait rire ces conneries. Voilà, donc bref, vous allez mettre une demi-heure pour charger. Alors, je peux pas, je vais même pas regarder, je sais même pas, la lipo n'est même pas marquée sur le petit bout de papier qui est vendu avec. C'est peut-être marqué quelque part, mais bon, bref, peu importe l'autonomie, la capacité de la lipo, c'est du 200-300 mAh, je pense, et puis... ça va vous assurer quand même 7 minutes de vol, voilà, de vol ou un peu plus même en mode moto, hein, c'est pas si mal, et puis ça met pas longtemps, en 20-25 minutes vous avez rechargé votre batterie, voilà, donc... bref, je passe à la suite, je vais vous montrer la radiocommande. Donc la petite radiocommande de notre petit drone moto, je vais essayer de mettre tous les deux ensemble, bon c'est pas terrible. Alors, est-ce que je peux régler? Ah, ben voilà. Voilà, donc, ben, elle se présente, ben, c'est tout simple, hein, c'est un petit bout de plastique, hein, la radiocommande, tout simplement, voilà. Il n'y a rien de particulier, vous allez mettre trois piles à l'arrière, des petites piles AAA à l'arrière, voilà, tout simplement, tac. Et puis, vous avez une petite radiocommande en mode 2, donc c'est-à-dire que vous avez le stick des gaz qui est... à gauche, donc montée, descente du drone, translation, rotation à droite, pardon, rotation à gauche, avance, recul, translation à droite, translation à gauche, voilà. Vous avez ici le bouton pour passer en mode moto, vous appuyez dessus, vous passez en mode moto. Alors sachez que la radio va biper en permanence quand il est en mode moto, ça c'est complètement insupportable. Donc le mieux c'est de démonter la radio puis d'enlever le buzzer, voilà. Mais une fois que vous êtes en mode moto, donc sachez que le stick des gaz n'a plus lieu, voilà, vous en servez plus, vous n'avancez plus et tournez plus qu'avec ça, voilà, tout simplement, hein, ça va avancer et tourner avec le stick de droite, voilà, tout simplement. Donc vous avez le bouton d'allumage ici, vous retrouvez ici tout ce qui est trim, hein, réglage fin du drone, hein, si votre drone se comporte, bah, le mien c'est ce qu'il faisait, donc il allait toujours trop à gauche quand je le faisais voler, donc j'ai trimé avec le bouton en bas ici, c'est pour qu'il aille un peu plus à droite, voilà, s'il va trop à droite vous trimez à gauche, les deux boutons ici c'est pour le trim d'avance et de recul, si votre drone a toujours en tendance d'avancer comme ça alors que vous ne voulez pas, vous trimez un petit peu à l'arrière et ça re-règle un petit peu tout les accéléromètres et les choses comme ça. Voilà. Vous avez les quatre autres boutons ici. Donc ici vous avez le mode headless. Donc votre drone n'aura plus de sens. Je reviendrai pas dessus sur cette vidéo, j'ai pas envie. Vous avez ici donc le bouton de vitesse. Vous avez trois vitesses sur ce drone. Vous appuyez une fois une vitesse, deuxième fois deux vitesses, troisième fois troisième vitesse. Et ici vous avez atterrissage,
Atterrissage et décollage automatique. Donc bien entendu, ça marche très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Et puis ici, vous avez le bouton pour faire les flips et les rolls, parce qu'il fait les deux en même temps. Donc vous appuyez là-dessus, vous faites un coup comme ça, il fait un roll. Vous appuyez là-dessus, vous faites un coup comme ça, il fait un flip. Voilà. Donc c'est tout pour la radio. Maintenant, on va allumer ce drone un petit peu, puis on va voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà. Donc une fois que vous avez chargé votre petit quad, vous avez un petit bouton ici à l'arrière de la moto et vous allez l'allumer. Donc vous avez les petits phares qui s'allument ici. Voilà, vous allez allumer votre radio. Voilà, bip bip, un haut en bas avec le stick des gaz, et la petite moto ne clignote plus à l'avant, elle est appairée. Après, vous allez régler votre gyroscope, bien entendu, puisqu'il y a un gyroscope à régler. Donc vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite, voilà, pas à gauche, à droite, et les petits phares vont clignoter. Là, votre gyroscope est réglé, votre drone va parfaitement décoller. Et puis, une fois que vous avez fait ça, soit vous vous mettez en mode moto en appuyant là-dessus. Donc voilà, ça vous êtes en mode moto. Donc je vais avancer. Voilà, ça avance. Ça recule pas par contre, hein. Vous avancez. Tout simplement. Bon, c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre, hein, dès la première fois. Voilà, donc là faut que j'aille le chercher. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est sympathique, mais voilà, il y a toujours cette radio qui bip, c'est un peu chiant. Voilà, ça avance comme ça, ça tourne comme ça, hein, tout simplement. Donc il faut un grand espace pour que ça soit assez fonctionnel. Il faut un petit peu d'habitude, hein, parce que ça glisse un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu difficile au départ à manœuvrer un petit peu, parce que bon, c'est très aléatoire. Voilà, faut que j'aille le rechercher de nouveau. Parce que le fait que vous ayez un seul stick pour tout faire, bon ben voilà, faut un petit peu... on arrive, hein, à force, avec un petit peu d'entraînement, bon, ça va marcher. Mais bon, il faut faire ça sur un sol qui n'est pas rugueux, qui est très lisse, qui est très long, en fait, un bon gymnase, par exemple, et puis voilà, quoi. Bon, je vais arrêter ça parce que ça me casse les pieds. Après, vous avez le mode drone. Donc le mode drone, en fait, c'est le mode quand vous n'entendez pas le bip. Et là, rien que le fait, par exemple, de monter le stick des gaz, voilà, vous le mettez en route. Là, il est en route, vous l'entendez quasiment pas. Et puis, si vous mettez des gaz, hop, voilà, ça vole. Ah, franchement, c'est pas si mal que ça, hein. Voilà. Donc voilà, vous l'avez vu un petit peu voler. Alors, en mode moto, quand il est en mode moto, en fait, vous êtes tributaire des deux petits pieds ici. Vous avez deux petits pieds ici, ça va le stabiliser au sol pour pas qu'il tombe. Et puis le problème, c'est que c'est du plastique. Et puis vous pouvez en avoir un, par exemple comme ici, qui est pas au même niveau que l'autre. C'est-à-dire qu'en mode moto, si vous en avez un qui fait un petit peu comme ça, votre moto, elle va toujours partir un petit peu. Alors ce qu'il faut faire, c'est les remettre un petit peu au même niveau, même quitte à les chauffer un peu, et les remettre bien au même niveau pour qu'elles puissent aller assez droit. Moi, j'avais un petit peu ce problème-là. Bon, bah, voilà, hein, c'est du jouet, donc on sait ce qui se passe avec ce genre de petites choses. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça assez sympathique, hein, quand même, hein. Voilà, donc franchement, ça va pas mal, hein. Il y a trois vitesses en plus, hein, qui est ici, voilà. Là, je suis en deuxième vitesse, là, je suis en troisième vitesse, là, je suis en première vitesse. Ça fonctionne très, très bien. Décollage automatique, voilà. Ah, hop, là, ça décolle. Atterrissage auto aussi, voilà. Boum. Franchement, le maintien d'altitude est correct. J'ai rien à redire là-dessus, alors... Je ne connais pas toutes les versions qui sont proposées, plusieurs marques en font. Je ne sais pas si elles seront toutes bien, mais celui-ci est très très bien. Donc je recommande ce petit produit, en fait, c'est vraiment marrant. On n'est pas, voilà, on n'est pas surpris par un truc qui ne fonctionne pas, et puis ça me plaît bien. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, sur ce petit drone, hein, voilà. Je vous mets les liens sous la vidéo, enfin je vais vous en mettre plusieurs.
N'hésitez pas à cliquer sur les liens, nous ça nous aide sur notre chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à mettre un commentaire, et puis voilà, tout simplement. Et puis je vais vous laisser avec ma vidéo de vol, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues, et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.